Le centre de l'Oasis est simplement un glissement de localisation du centre de Jeanne d'Arc qui existait déjà, qui lui va être transformé en centre d'unité de dialyse médicalisée, et le centre de l'Oasis devient un centre lourd. Un centre lourd, c'est pour les patients qui ont des multipathologies, qui ont besoin de beaucoup plus de soins proches et qui nous demandent un néphrologue à temps plein au branchement et au débranchement de la dialyse, avec une infirmière pour 4 patients et une aide-soignante pour 8 patients, c'est-à-dire respecter le décret. Alors, ce déplacement de centre, pour le patient lui-même, bon, il va bénéficier de tout ce qui va être la nouvelle technique, les nouveaux mobiliers, une nouvelle organisation, mais ce changement a été surtout, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, ça a été une injonction de l'ARS qui disait que lorsque vous devenez centre lourd, vous devez être de proximité d'un établissement de santé où il y a de la chirurgie et de la médecine. Nous l'avions lorsque nous étions à Jeanne d'Arc, puisqu'il y avait la médecine et du bloc opératoire à Jeanne d'Arc avant. Aujourd'hui, il ne reste plus que la maternité, puisque maintenant, on a développé la clinique des orchidées, et du coup, on suit la clinique des orchidées pour rester dans le décret.